Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la quatrième partie du chapitre La droite dans le plan. Dans cette vidéo, on va voir la notion équation cartésienne d'une droite. Elle est répartie comme suit: activité, définition, propriété et après des exemples. Équation cartésienne d'une droite. Activité, soit OIG, un repère du plan. On considère les deux points A de coordonnée 1, moins 3 et B de coordonnée moins 2, 1 du plan, soit M de coordonnée XY, un point de la droite AB. La première question, sans calcul, déterminer la valeur du déterminant AM AB. Deuxième question, en déduire que 4X plus 3Y plus 5 égale à 0. Commençons par la première question. Déterminons la valeur de déterminant AM AB. Comme M appartient à la droite AB, alors les deux vecteurs AM et AB sont collinaires. Cela signifie que le déterminant des deux vecteurs AM et AB égale à 0. La deuxième question. Déduisons que 4x plus 3y plus 5 égale à 0. On a M, A et B. Le vecteur AM ou bien les coordonnées du vecteur AM sont XM moins XA, YM moins YA. Les coordonnées du vecteur AB sont XB moins XA, YB moins YA. XM c'est X, YM c'est Y, XA c'est 1, YA c'est moins 3. XB moins 2, XA 1, YB 1, YA moins 3. Alors, les coordonnées de AM sont X moins 1, Y plus 3. Les coordonnées de AB, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et 1, moins moins 3, ça fait 4. On a le déterminant des deux vecteurs AM et AB égal à 0. Donc, on aura cette égalité. Après, 4 fois x moins 1, la voilà, moins, moins 3 fois y plus 3. Le voilà, égal à 0. Donc, on va simplifier 4x moins 4. Ici, moins moins 3, ça fait 3. 3 fois y, c'est 3y. 3 fois 3, c'est 9. Moins 4 plus 9, c'est 5. Donc, voilà, 4x plus 3y plus 5 égale à 0. Cette équation est appelée équation cartésienne de la droite AB. Définition, le plan est rapporté à un repère OIG. Toute droite dans le plan admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0, ou le couple AB différent de 0, 0. Propriété. Le plan est rapporté à un repère OIG, soit A, B et C, trois nombres réels tels que le couple AB différent du couple 0, 0. L'ensemble des points M de coordonnées XY du plan tel que AX plus BY plus C égale à 0 est une droite dirigée par le vecteur U de coordonnées moins B, A. Ici on a B, les coordonnées contiennent moins B. Exemple. Déterminons une équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées moins 2, 3 et dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, 2. La première méthode. Soit M, un point de coordonnées XY, un point du plan. On a M appartient à la droite D, signifie que les deux vecteurs AM et U sont collinaires. Avec le vecteur AM ou bien les coordonnées du vecteur AM sont XM moins XA, YM moins YA. On a déjà A, c'est moins 2, 3. Donc, on obtient les coordonnées de AM, X moins moins 2, Y moins 3. C'est-à-dire, les coordonnées de AM sont X plus 2 et Y moins 3. Et d'après les données de l'exercice ou bien de l'exemple, les coordonnées du U sont 1 et 2. Alors, le déterminant égale à 0, puisque les deux vecteurs sont collinaires. Donc, on aura cette égalité.
Après, on va simplifier. 2 fois x plus 2 moins 1 fois y moins 3 égale à 0. Alors ici, on va développer. 2 fois x, 2x. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1 fois y nous donne moins y. Moins 1 fois moins 3, c'est plus 3. Ou encore, 2x moins y, 4 fois ou bien plus 3, ça fait 7. Donc 2x moins y plus 7 égale à 0. Il s'ensuit que une équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées moins 2, 3 est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, 2 et 2x moins y plus 7 égale à 0. La deuxième méthode. Puisque U, le vecteur U de coordonnées 1, 2 est un vecteur directeur de la droite D, alors une équation cartésienne s'écrit sous la forme 2x A, celui-là représente A, celui-là représente moins B. Alors B c'est moins 1, donc 2x moins y plus C égale à 0, avec C un nombre réel à déterminer. On sait que le point A est un point de la droite D. Cela veut dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation cartésienne de la droite D. C'est-à-dire que 2 fois xA moins yA plus C égale à 0. J'ai pris la dernière équation. J'ai remplacé x par xA et y par yA. Après, xA c'est moins 2. Le voilà. yA c'est 3. Donc on obtient 2 fois moins 2, ça fait moins 4, après moins 3, plus C. C'est-à-dire C égale à 7. Ici, moins 7, j'ai transféré ce moins 7 vers le deuxième côté, devient 7. Cela signifie que une équation cartésienne de la droite D passant par le point A de coordonnées moins 2, 3 est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, 2 et 2x. Ici, 2x. Moins y, et on a trouvé que c'est 7, plus 7 égale à 0. Finalement, mes chers élèves, on a terminé cette partie. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.